Oui, il y a un dénouement. Comme vous savez, nous avons été avec la présidente depuis quelques jours, ce matin et cet après-midi. Mmh. Et nous avons naturellement proféré des conseils. Et la présidente, dans sa sagesse, a préféré démissionner après pour éviter cette crise dans le pays, crise constitutionnelle au sommet de l'État. Et elle ne veut pas voir le pays souffrir, ni l'économie souffrir, ni la population de Maurice en général. D'ailleurs, elle l'a dit dans sa lettre, adressée au speaker de l'Assemblée nationale. La lettre vient de partir vers la speaker pour dire que dans l'intérêt supérieur du pays et dans l'intérêt de la population mauricienne en général, elle préfère partir et elle partira le 23 de ce mois-ci à midi, juste le temps pour sortir ses affaires personnelles de la State House. Est-ce que la présidente de la République, jusqu'au 23, donc, compte prendre la parole, parler à la presse ou... Pas du tout. Pas du tout, mais attendez après le 23,